c'est Mary. On n'a jamais autant regardé la télé, hein. Hier soir, j'ai vu un film génial, un film de science-fiction. Bon, alors le scénar, c'était un petit peu comme tous les films de science-fiction ou les romans de science-fiction. Mais alors, celui-là était génial. C'était un virus qui envahissait le monde. Alors, les gens, ils n'ont plus le droit de sortir chez eux uniquement pour aller acheter à manger, pour se nourrir. On les appelle les confinés. Et alors, tout le système économique s'écroule parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller travailler. Donc, tout le système économique s'écroule. Et pendant des années, on leur a dit, des générations et des générations, qu'il fallait économiser, prendre des plans d'assurance vie, prendre des plans d'épargne, tout ça. Mais alors, tout s'écroule. La bourse, elle s'écroule parce qu'il n'y a plus de travail. L'économie mondiale, elle s'écroule complètement. Alors, eux, ils sont obligés de retirer leurs sous parce qu'ils ont besoin de sous pour s'acheter à manger. Alors, ils retirent un tout petit peu, c'est ce qui reste, quoi. Mais ils perdent pratiquement tout. Et par contre, les très riches, alors les très très riches, eux, ils profitent que la bourse, elle s'écroule complètement, que les valeurs soient très très basses pour acheter un maximum parce qu'ils ont plein de sous. Donc, ils achètent un maximum. Et puis, tout d'un coup, les riches, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent l'antidote, dis donc. Alors, les gueux, ils retournent travailler parce qu'ils sont guéris, ils retournent travailler. Seulement, il n'y a plus de système social. Alors, les gars, ils n'ont même plus de sécurité sociale, mais ils n'ont plus rien. Même plus de retraite, ils n'ont plus rien. Donc, ils vont juste travailler comme des gueux. Ils sont juste bons à travailler. Par contre, les riches, comme les actions sont remontées, ils redeviennent encore plus riches. Et les gueux, encore plus gueux. C'est horrible comme c'est là, hein. Heureusement que c'est de la science-fiction, hein. C'est que ça fout la trouille, hein. Ils ont de ces films, mon vieux, sur BFM TV, alors là, c'est bien foutu, hein. Mais heureusement, c'est de la science-fiction, parce que ça fout vraiment la trouille, hein. La vache! Te rends compte? Et si un jour ça arrivait? Et il paraît qu'ils vont faire le 2, hein, le 2, le retour. J'attends impatiemment! Oh, ils sont excellents!